grand Père Noël. Oh, j'étais super sage cette année. Regarde, attends, attends. Je veux plein de copeaux et plein de bois pour l'année prochaine. Plein d'outils Makita. Une petite sauteuse, un perforateur. Une petite plongeante avec les rails et toutes les options. Ah, et d'autres caisses à outils aussi. Et plein de clous et des vis aussi. Ah, et puis une grosse enclume là-bas et un combiné à bois. Hein? Vous allez réfléchir? Oh, merci Père Noël. Je vous dis à l'année prochaine. Salut! Oui, il y a le Père Noël, en fait, vous le voyez pas parce qu'il est invisible, mais il m'a demandé ce que je voulais pour l'année prochaine. C'est une vidéo spéciale... Pâques. Voilà. Spéciale Noël, c'est bien ça. Au moment où je tourne cette vidéo, on est environ 8 jours avant Noël. Je fais un petit film pour faire une surprise à madame. Surtout, lui dites rien. Ah, on va faire mumuse avec les engrenages aujourd'hui. À la base, je devais juste récupérer des engrenages pour faire un pied pour la lampe chignole. Et puis finalement, si vous avez vu le dernier film, vous avez vu que je me suis complètement enjaillé et que une belle idée m'est venue. Après avoir démonté tous ces engrenages, je me suis enjaillé, j'ai pas pu résister. Je suis allé acheter de quoi faire une nouvelle lampe avec une ampoule un peu plus grosse que les précédentes. Parce que la lampe est un peu plus grosse, donc ça allait faire un peu ridicule avec. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou la semaine d'après, enfin en tout cas avant le 31 décembre. Pour faire un petit récap sur l'année 2020 et un deuxième film peut-être sur tout ce que j'utilise au quotidien. Et ce que j'aimerais avoir, les changements qu'il va y avoir en 2021 en espérant que cette année soit meilleure. Normalement, si ça se fait, si j'ai l'accord de la propriétaire des lieux, normalement il y a pas mal de choses qui vont changer, notamment deux gros aménagements, mais j'en parlerai si j'ai l'accord évidemment. Bon, trêve de bavardage. Je vais enlever ça parce qu'il est à ma femme et je vais le salir. On va s'y mettre. Alors, du coup, je suis pas mécanicien, donc je suis pas spécialement équipé pour ça. Néanmoins, je vais utiliser du white que je vais verser dans ce bac là, que j'ai nettoyé à la vacoche de pouce. Puis comme j'ai pas de trépied, vous allez pas pouvoir voir ce que je fais, donc je vais vous couper ce passage parce que ça va être du nettoyage à la brosse à dents, parce que là, je pense que j'en ai pour au moins une plombe pour nettoyer tous les engrenages, enfin partout. Et ensuite, je passerai à la setup. Meilleure tronche que ce qu'il y avait tout à l'heure. Ça m'a pris un bon moment, mine de rien. Donc j'y suis allé progressivement à la brosse à dents dans le bac en plastique, d'abord au white, donc j'en ai foutu partout, deux couches chacun dans tous les sens, rincé à l'eau. Et ensuite j'ai passé l'acétone partout, pareil avec la brosse à dents, mais sur la table cette fois-ci, pas dans le bac de white évidemment. Et j'y suis allé un peu comme un bourrin, j'ai mis la dose, donc là, là c'est dégraissé parce qu'il fallait bien que le produit passe au travers des roulements, etc. Bon, je suis sûr qu'il en reste un petit peu dans les interstices des gros roulements qui sont inaccessibles, mais bon, on ne peut pas faire autrement. Donc voilà, ça a quand même déjà une bien meilleure allure. Ils ont retrouvé une jolie couleur. Voilà. Ici, il y avait un roulement qui montait jusqu'à là et qui était complètement... Enfin, il faisait partie de la plaque du fond, donc j'ai tout coupé hier. Et j'ai tout remis légèrement en dessous des espèces d'écrou, je sais. Donc comme ça, le pied, lui, il reste droit et puis il ne peut pas bouger. Alors, à noter qu'il ne faut surtout pas souder sur une pièce mouillée, donc bon, il va falloir que j'attende. Néanmoins, je vais décaper cette partie-là qui est légèrement rouillée juste ici, parce que c'est la partie où je vais souder, puis tout le reste est bien joli, tout propre, donc voilà. Et puis, je vais faire pareil sur la grosse pièce. Petit point anecdote, j'ai une anecdote vis-à-vis de ceci, là. Ces engins, cette espèce de tête à poil de fer là. Alors déjà, ça coûte super cher, ça se bouffe en une heure ou deux, enfin la tête elle est foutue, ça décape plus rien. Et en plus de ça, c'est en plus de coûter super cher, elle est super dangereuse. Donc déjà, protection pour les yeux, ça c'est obligatoire parce qu'au bout d'un quart d'heure, tu ressembles à un porc-épic parce que ça perd des poils dans tous les sens. Attention aux gars aux personnes qui sont dans la pièce quand tu utilises un engin pareil parce que ça vole dans tous les sens. Donc le mec aussi, il n'est pas exempté de recevoir des poils dans les yeux. Et la petite anecdote dans le truc, c'est que un jour, heureusement que j'étais habillé très chaudement parce que c'était vraiment pas chaud. Et en fait, j'avais un pull légèrement déglingué en bas. Et donc j'étais en train de passer ça sur une pièce avec des bords et des coins. Alors ça saute, ça met des grands à-coups super facilement. Et en fait, j'étais un peu trop près de ma pièce. Et en fait, quand ça a fait ça, et ben, ça s'est pris dans mon pull.
et ça s'est entorti, mais en une fraction de seconde, j'ai rien pu faire. Ça s'est entorti dans le pull, ça s'est retrouvé ici, par là, et ça tourne à fond les ballons. Hein. Et heureusement que j'avais deux pulls sur moi, deux t-shirts et un dabar, parce que c'est eux compris et pas moi. Et je n'ai rien eu. Et aujourd'hui, maintenant, quand je fais ça, je mets le tablier en cuir de soudage, au moins comme ça, ça tape d'abord le cuir et pas moi. Donc voilà. Mais super gaffe à ça. Comment je vais faire ça? Alors là, mon poids, je sais pas du tout. Le diamètre ici est plus gros que là, donc les aimants, c'est pas possible. Et puis, c'est hors de question que je le jette comme ça, ça va être totalement hasardeux, ça va partir en vrille. Et puis, j'ai pas envie de dégueulasser le truc, j'ai envie de faire une belle soudure d'un coup. Bon, déjà, c'est un début. Après une grosse demi-heure d'hésitation, bah, j'en suis là. Aucun moyen de poser une équerre, il n'y a rien des mêmes diamètres ou autres, donc c'est vraiment un placement à l'œil, au compact on va dire, donc ben, j'ai vraiment pas envie de me louper, mais bon ça m'a l'air droit, je suis même monté au dessus pour voir si vraiment on était d'équerre et tout, bon ça a l'air pas mal, bon ben, on va tenter 2-3 points de soudure et puis on va voir ça. Bon ben voilà, ça y est, c'est fait, c'est soudé, c'est en place. J'estime que c'est droit. Il faut vraiment se pencher pour voir qu'il y a un micro décalage. Je pense qu'il y a un micro décalage, même si j'ai pas mis une lunette, je crois qu'il y a un tout petit décalage. Mais bon, c'est réussi du coup. C'est quand même relativement stable. Ça tient bien quand même. Hein. Alors à noter que la table est comme ça. Là c'est pas mal. Bon il va me rester à nettoyer la soudure. Et puis il va falloir que je chauffe une petite tige filetée là-haut pour pouvoir fixer le culot de l'ampoule. Et puis je vais m'occuper du câblage et puis on va être pas mal. Donc je me suis occupé de la partie élec, donc ça c'est fait. C'était une véritable misère de souder une tige filetée là-dedans. Enfin, je me suis débrouillé comme j'ai pu. C'était très légèrement tordu, donc j'ai réussi à recaler le truc comme il faut. Nettoyage soudure. Ouais, allez, et voilà, la lumière flue. Bah ça me plaît bien, ça a vraiment de l'allure, je suis vraiment content de ce que ça rend. Ça, bon. La soudure, comme c'est papin, on voit les petites imperfections, mais bon, ça encore, ça fait partie du style. Donc voilà, je suis vraiment content, c'était un petit projet, ça m'a pris la matinée à peu près.
Le prochain achat, ça va être le trépied parce que pour les films, c'est une horreur. Je peux pas filmer comme il faut, je filme de loin, enfin voilà, ça va pas. Ah, pas du tout. Désolé pour l'ISO, c'est une vraie misère à régler parce qu'avec la fenêtre et le contre-jour ici, donc des fois il y a des images très claires, des images très sombres. Bon. J'essaierai de régler ça à l'avenir. Merci de votre attention. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, c'est le petit coup de pouce pour la chaîne, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cocher la petite cloche pour recevoir les petites notifs quand je poste des vidéos. Vous pouvez me suivre également sur mon Facebook à l'Atelier du Meuble. Et puis moi, je vous souhaite un joyeux Noël!